Allez, la vedette. Léandre a 5 ans. S'il peut aller à l'école, c'est parce qu'il y a une personne pour l'aider en permanence. Une accompagnante d'élèves en situation de handicap, une AESH. Un câlin ? Et cela rassure ses parents. Allez, viens, on va mettre l'étiquette. Ça, c'est le 2. Aujourd'hui, Aliénor remplace l'AESH en arrêt maladie. Elle est personnelle municipale, a été formée par la commune de Mornant et non par l'éducation nationale. Sans ce renfort pérennisé, Léandre serait accueillie à l'école dans de très mauvaises conditions. C'est pas... Oui, c'est un besoin particulier. En fait. Il faudra vraiment avec lui en permanence. Et comme ça, la institutrice a pu se permettre de s'occuper d'autres enfants. Ce qui est bien, en fait, c'est que lui, il est avec d'autres enfants. Mon ventre, me voilà. On sent que l'équipe pédagogique derrière n'est pas en souffrance non plus, puisqu'il y a une stabilité. Quand on laisse notre enfant, on sait qu'il va être pris en charge, que ça ne va pas être du bout de bricolage, parce que l'éducation nationale n'a pas pu fournir les ressources suffisantes. À Mornant et alentour, il manque 100 heures d'AESH par semaine que l'éducation nationale ne parvient pas à combler. Alors les élus ont pris les devants et budgété 70 000 euros annuels. Nous, on vient en complément, on vient boucher des trous dans la raquette avec une volonté politique au final, qui est celle qu'aucun enfant qui a une notification et qui lui donne le droit à aller à l'école ne soit laissé sur le côté du chemin de l'école. Ça n'est pas fait à la place d'eux, c'est fait en plus d'eux, au bénéfice des enfants. Et donc tout ce qui peut être fait en plus est bien évidemment bienvenu pour ces élèves et ces enfants. Comme Aliénor, 13 autres aidants éducatifs ont été formés à Mornant. Dans quelques semaines, Léandre retrouvera son AESH, mais Aliénor restera toujours là pour lui, en cas de besoin.